que personne ne sait pas ce que Dieu a eu. Ma soeur qui se marie, donc bon, voilà, je suis là pour la circonstance et puis on verra le déroulé des événements. Voilà. Et comme t'es là, je viens, c'est un grand plaisir. Monsieur le maire, oui, je ne veux m'aligner. Faisons une prière, remercions le bon Dieu. Mettons tous nos invités à l'aise dans la fête. Ma ouais, Libala, Libala. Le Libala n'a pas Libala, Libala. On revient de loin, personne ne sait ça. Seule ta mère pour soutien dans nos combats. Tu m'as changé, fait de moi l'homme que tu rêvais. Pour moi, tu as tout à volonté, bébé, c'est bien pour ça. Oh,
l'amour de la première fois. La première fois j'ai posé un regard sur toi. Insistant certes, mais depuis je ne t'ai pas lâché. J'ai voulu que tu sois à moi. Tu m'as repoussé, déçu par les autres gars. Tu m'as rejeté, mais tel qu'une bête et sa proie. Je ne t'ai pas lâché, mi amor. Pour toi l'amour n'existait pas. Tu as fini par m'accepter. Quand tout le contraire je te l'ai prouvé. Libala. C'est pour ça qu'aujourd'hui je te ramène devant le maire. Car c'est avec toi je vais vivre le meilleur ou la misère. Ta joie sera ma joie. Ta souffrance sera ma souffrance. Le pacte ne peut être rompu depuis que je t'ai passé l'alliance. Personne pourra séparer notre union. Toi et moi c'est jusqu'à ce que nous mourons. Toi et moi c'est jusqu'à ce que nous mourons. On sera un peu comme des tic-tic. Je me vois plus vraiment vivre si tu me quittes, chérie. Ma quête reste ton bonheur. Une perte si je deviens la cause de tes pleurs, maman. Un petit mot pour ceux qui se marient. Félicitations à vous. Plein de bonheur. Je crois qu'il y a des gens qui étaient beaux. On va prendre une photo. Un petit mot pour ton jour. Eh ben, ça y est, on est arrivé. C'était long, mais essentiel. On y est. C'est bon. C'est le plus beau jour de la vie pour moi. Ça va. Regarde comment les enfants sont. Mais bon, là, j'accompagne mon frère à Amélie Kondou pour son mariage. Ceci le 9 novembre 2021. C'est un grand jour pour eux. Ils ont tellement attendu. Et voilà le moment. Est venu. Tel que tu es, t'aimer sans vouloir te changer.
pati soukie na mi soin zambe pe na bato devant ou derrière monsieur le maire t'aime. Car c'est votre choix, c'est votre vie, et vous avez décidé de l'unir à celui et à celle qui compte le plus à vos yeux. Et pour passer cette nouvelle étape de votre vie, vous avez décidé d'associer vos familles nombreuses, vos enfants et petits-enfants. Alors quand j'évoque l'engagement, je parle bien sûr des articles de loi que je vais vous lire. Ils parlent de fidélité, d'assistance, de respect et de solidarité. On parle également de famille. Parlez du plus bel engagement, celui qui va permettre d'écrire une nouvelle page de votre vie, de votre histoire. Celui qui prend ses racines dans l'échange, le partage et l'amour. Alors, pour parler en quelques mots seulement de votre parcours, vous vous êtes rencontrés en fait il y a très longtemps.
dans ce beau pays qui est le Congo. Où vous étiez alors écolier ou collégien, enfin je ne sais pas voilà exactement à quel âge. Et vous habitiez à l'époque dans le même quartier, voilà, même si vous connaissiez. Pourtant, même si vous vous entendez déjà bien, la vie ne prend pas toujours le chemin le plus simple. Et en effet, Auguste, finalement, vous avez quitté le Congo pour partir faire votre vie en France. Et vous, Rose, même si vous êtes restée au Congo, vous avez également fui votre vie. Donc de cette période, vous avez eu des enfants, je vais les citer parce qu'ils sont vraiment magnifiques tous. Donc vous avez, Auguste, vous avez eu de magnifiques enfants. Alors, Orlan. Qui est aujourd'hui lui-même papa. Cynthia. Cynthia et Laetitia, qui ont 29 et 26 ans. Bah, bientôt en âge de se marier également, si c'est déjà. Et enfin Cole, qui a 19 ans, qui n'a pas pu être là. Voilà. De votre côté aussi, Rose, vous avez eu deux enfants qui malheureusement ne sont pas avec nous aujourd'hui. Et à qui, alors nous pensons à tous ces absents bien sûr, voilà, qui sont de tout cœur avec nous, je pense. Mais pour revenir à leur histoire, Auguste n'avait jamais complètement oublié Rose, qu'il admirait régulièrement quand il venait. Passer des vacances au Congo, voir sa famille, et quand il a appris qu'elle avait divorcé, que vous aviez divorcé, comme lui d'ailleurs, et bien en 2004, il a décidé d'aller chercher Rose au Congo pour lui proposer de devenir sa femme. Alors, je suppose que vous avez été surprise au début, oui. C'est ça, la surprise a dû être grande parce que voilà, l'amour qui revenait du passé. Mais bien sûr, vous avez dit oui et cela fait votre bonheur. Donc, Auguste a demandé sa main officiellement à vos parents, enfin, a demandé votre main officiellement à vos parents. Alors, j'ai appris que ça s'appelait la première dot, je ne sais pas. Et les parents de vos parents vous ont accepté ses fiançailles. Mais il était très important pour vous quand même de finaliser maintenant officiellement aujourd'hui cette relation par un mariage officiel, un mariage en mairie, en présence des autorités qui prouvaient toute l'importance que vous accordiez à cette relation. Donc cela fait déjà de longues années que vous avez su trouver les clés du bonheur. Je vais quand même me permettre d'ajouter quelques conseils que je donne à tous les mariés, jeunes ou moins jeunes. Savoir communiquer, rester toujours patient et indulgent et garder une infinie tendresse dans les bons moments comme dans les moments plus difficiles que l'on rencontre parfois. Alors nous allons passer à la lecture des textes et à l'échange des consentements. Pour cela, je vais vous demander de vous lever. Nous sommes en possession des pièces nécessaires. Toutes les formalités réglementaires étant remplies, nous allons procéder au mariage. Alors tout d'abord, je dois vous demander si vous avez fait un contrat de mariage. Conformément à la loi, nous donnons lecture des articles du Code civil sur les droits et les devoirs des époux et des épouses. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Là, c'est un peu léger. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Et enfin, article 371.1, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Alors, Auguste, Amédée Bicandou, consentez-vous à prendre pour épouse Rose Chisangou Fouti? Oui. Présente. Oui.
amoureuse qui sent vous futile, on sentait vous à prendre pour époux, Augustin Amédée Picandou, ici présent. Oui. Par le mariage. Nous allons maintenant procéder à l'échange des alliances. Donc, pour cela, c'est Jarel, c'est ça, qui les a apportés, le bon de but, et Chikra, Syrien. Sa nièce, voilà. Très bien, je vous laisse procéder à l'échange. Que vous assurez. Mais on a un élu qui est
critiqué pourtant Nana Koufi c'est un moutou Goya Rodrigue On a kati amboka batu ebele Awa ozalite na komona mokili désert Didier Kindambo Bani ngatango babi maka 2 à 2 Gahina salani inye Nami bomba kanansi maya lopango kulela Nalindanda na maboko amama Chéri sala oyaye, sala oyaye Nicole Weleki Mungie Eric Mandala Elegance Sala Ozonga Sala Ozonga Mana Kekomi Mubange Bilokake Mon amour Mon merveilleux amour Dans le noir je pense à toi Le jour il faut que je te voie Comment te dire que tu me manques Quand des milliards que je n'ai pas en banque Je voudrais te dire que je t'aime Sans que les mots ne soient les mêmes Viens me sortir de ce dilemme Élégance dans mon cœur, c'est toi l'emblème Je veux t'avoir bien plus que te voir Élégance, mien d'un beau ma vie, c'est toi Prive-moi de tout, mais pas de toi. Sans toi, tout l'or du monde n'est rien. Aucun voyage n'est assez bien. Sans toi, Monaco n'a plus d'éclat. Sans souverain petit soldat. Marcher sur la lune n'est rien sans toi. Sans toi, les étés sont si froids. Nyoso, et Outina Motema, y'a Charlotte Dipanda. Élégance, élégance mien debout. Ok, yo tiki mawa, namolimo malina yo. Ok, yo tiki mawa, chérie na sima. Docteur Ilobo Sembo. Nakoti kananga koli l'élégance, c'est mon koloko zonga ye. Anga muto babi nga kina jibi. Emmanuel Ilunga Anga muto babenga kinga chéri Belon kombo nanga yiva fankula Bebe sala oyaye, sala oyaye Nicole Leki Ilunga Nicolas Massing Elegant sala oyaye, sala oyaye Mana ke komi mubange Tina kata mwangu ya na mwankanda Ele misa mwte mwananga na bika Nakata mwangu ipa yo zali Elendisa mote mamumbali na yo Anga muto babenga kingali bebe Lilo babenga inga helikombe Anga muto babenga kinga diponda Lilo babwa kinga helibanda Bebe sala oyai, sala ozonga Sala na mote mamawa Sheri sala oyai Sala ozonga Niwali komi pene Tina kata mwangu ya na mwokanda Ele nisa mote malanga Donc, le 6 novembre 2021 à 14h11 à Esine en Gironde, devant nous, on parut publiquement en la maison commune. Auguste Amédée Bikandou, né à Pointe-Noire au Congo le 13 janvier 1962 et domicilié à Esine en Gironde. Fils de Bikandou et de Philippe Bikandou et de Martine M. Bondeau, d'une part, et Rose Chisambou Fouti, née à Pointe-Noire au Congo, le 26 mai 1970, domicilié à Esine, fille de Isidore Chisambou et de Martine Dalba, d'autre part. Suite à notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux. Et nous avons prononcé, au nom de la loi, qu'ils sont unis par le mariage. En présence de Armand Babiala et de... C'est fou. Et de Albertine Fincoupoati, épouse Babiala. Témoin majeur. Lecture faite et invitée à lire l'acte, les époux et les témoins ont signé avec nous Véronique Juzo, cinquième adjointe, officier de l'État civil, par empêchement du maire et des autres adjoints. Alors, je vais vous remettre les documents, donc le certificat de mariage,
vais pouvoir demander des copies en mairie, voilà, autant que j'ai besoin. Le livret famille, très important à ne pas perdre. Voilà, ça c'est plus compliqué pour nous. Les copies. Et puis, au nom de Madame le maire, je vous remets un petit cadeau très symbolique. Voilà, c'est pour juste garder un petit souvenir. Je vais également vous remettre le petit livret de célébration qui n'a pas de valeur officielle. C'est juste un souvenir. Voilà, pour garder un petit document en souvenir. Donc je suis ravie d'être la première à vous présenter mes vœux de bonheur. Et surtout à vous appeler officiellement Madame Bicandou. Voilà, vos parents. Également vous souhaiter des vœux encore plus adaptés car nourris de tous les souvenirs qu'ils ont avec vous. Et il se peut même qu'ils vous aident à ce que ces vœux deviennent demain réalité. Et je suis sûre que vous entrerez dans votre sillage avec tous vos enfants la joie et le bonheur que j'espère contagieux auprès de tous ceux que vous aimez. Donc pour conclure, Madame le maire et de la municipalité, je vous souhaite mille bonheurs, mille sourires, mille découvertes pour une vie prospère et épanouie ensemble. Voilà, et je vous souhaite une bonne continuation pour cet après-midi ensoleillé. Vous avez de la chance, voilà. C'est un petit peu du soleil nouveau qui est... et je vous souhaite des choses, enfin, vous pouvez peut-être sortir en musique. Merci.
Il a un petit mot. Félicitations. Félicitations. Vous êtes trop beau et la famille, plein d'amour, plein de bonheur. On est heureux. 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 Voilà. Voilà. Mutuel de Damini, tout à l'heure. Mutuel de Damini. Aujourd'hui, de sceller leur union par le mariage de l'état civil. Donc, je souhaite que du bonheur pour le couple Bikondou et à tous les couples qui sont mariés cette année. Le couple Mawa Roger et Sophie. La mère de Moté, Mme Tata Roger. Il va au Sali, pardon, au Tchika. Il y a des gens qui ont été. Il y a des gens qui ont été roses. Même ceux qui ont été beaux, mais au Monikaka. Malgré confinement, malgré Covid, et Siminango, vraiment tous ces pays, peu plus sinon sur la Nzambi. Donc, je suis là, je suis là, donc, merci, merci, merci. Félicitations, les jeunes. Félicitations. Et bien, beaucoup de félicitations. La santé, la paix, tout ce qui est de bon. Et bien, bienvenue au club. Voilà. En tout cas, je suis très contente pour elle, hein, franchement. Parce qu'il y a longtemps qu'elle attendait ça. Vraiment, Dieu a fait grâce. Félicitations encore. Dieu a fait ses merveilles. Vraiment. Beaucoup de félicitations. Que du bonheur. Que du bonheur. Que du bonheur. Voilà. Que du bonheur. Que la paix, la paix, la paix. D'avoir de l'honneur qui m'a été fait. Et en plus, je profite de l'occasion pour le féliciter et leur dire bon courage et que la vie continue. Que tout se passe très bien et on réitère à notre félicitation. C'est pas de jeunes, c'est des gens déjà outillés. Donc, avec la sagesse, on va bien passer. Merci. Tona me mi he paina yo moteme lingie na ye biazana ba faiblesse qui me fait mal au cœur. C'est parfois insupportable, qui fait mal à la tête, ça attriste même le Saint-Esprit. Mais na puti he paina ye quelque chose de bien qui m'attire tellement. Na sengyo sala yengolu bisika banda ki kokwea. Et comme un point fort na ye, mote me lingi ye. Ye oyo, bolingo ndanga ye oyo.
nalota kiango na ndoto losambo efuti penga yo ye oyo kobombe sili ye oyo ata bambonge ye oyo elamba yango yango yo de papa, c'est un plaisir, surtout pour lui. Voilà, lui c'est le meilleur, hein. Nous nous sommes que des enfants, mais il était très important que nous soyons là. Donc voilà, papa a m'aider. Moi c'est Orlan, j'habite à Bordeaux, tout le monde me connaît. Donc là c'est mon père, peut-être que certaines personnes ne le connaissent pas. Donc voilà, c'est un réel plaisir. Hein. Donc, tout le bonheur pour eux et voilà. Merci beaucoup GR33 de ta présence et puis voilà. On est ensemble. Ouais, mais bon vent, bon année. Hein. Franchement, c'est un plaisir. C'est un plaisir immense, tu sais. Le mariage est un sacrement d'une manière ou d'une autre, quoi il soit à l'état civil. Mais j'ai l'immense plaisir de te souhaiter beaucoup de bonheur. Oh, regarde en haut, attention à vos yeux. Et surtout bon vent. Que Dieu soit avec vous. Ça, il y a un drone là qui prend les photos pour les mariés. Ouais, c'est pour dire que bateau va vivre la vie de Bango. Hein. Papa Amédé, comme le père de Orlan. C'est lui qui se marie aujourd'hui. Azako côté, mais Azakaka, moto, avec quelqu'un qui a vécu. Hein, le type des étudiants des années 80 qui a assisté dans les concerts à la Congolaise, accompagné de madame avec une bourse de 30 000 francs CFA. Mais bon, fallait le faire hein, à cette époque. Quoi. Donc, bon, papa Amédé, qui a ses enfants qui sont venus aussi au mariage et son petit-fils Jarel. Tout se passe bien, tout s'est bien passé. Demande au que ceux qui m'ont mis à Bali, c'est que là. Donc moi, je suis très content pour le couple. Je connais bien la sœur Rose aussi, qui est mademoiselle, qui sont devenues aujourd'hui madame Bikandou. La vidéo. Le couple de Zangi, il vient pas où
Aujourd'hui marié, quels sont vos sentiments s'il vous plaît? Mais vraiment c'est... On va en parler pour moi. Bah oui, c'est un sentiment, c'est un sentiment de bonheur, de joie. Hein? Il a du mal à exprimer éventuellement ce qu'il ressent. Hein? Il faut se mettre à sa place, hein, dans sa peau. Hein? En tout cas, bon vent. C'est vraiment longue vie. Ah bon, c'est déjà c'est une longue histoire. Donc on a... si on se mettait à décortiquer, on va rester le passé, on va rester ici jusqu'au petit matin. Voilà, exact. Comprenez seulement les mots. Longue histoire. Même au bout, tu l'avais dit. Ma grande sœur. Longue histoire. Alors, aujourd'hui mariée. Un petit mot. Un petit mot. J'ai pas de mots vraiment. Je suis dépassée. Ce que je veux dire merci à Dieu et tout ce qu'il a fait pour nous. Pour mon oncle qui devient mon grand frère. C'est lui qui m'a soutenu depuis le début jusqu'à aujourd'hui. C'est une longue histoire. Si on reste là, comme a dit l'autre, ça va nous prendre le temps. Donc vraiment, je remercie le Seigneur et toi aussi qui es venu pour nous assister. Et tout le monde, je dis merci à tout le monde. C'est la maman de Kelvin, hein? Maman de Rose. Est moi c'est à Pembe, hein? Lélo à Bali. Donc, c'est la maman de Kelvin, le futur Parisien, le futur Parisien qui viendra faire battre le cœur de petite française. Mais... ça m'a comme la vie, les années. Et la petite Bénie qui est à Pantan, qui est. Les deux sont à Pantan sur mer, donc bon, c'est bien. En tout cas, c'est vraiment dans le fait des îles qu'on voit un drone ici venir prendre les photos. Mais félicitations à M. Tourneau qui nous a fait ici ce grand plaisir. Merci, Yaya. Donc, le mariage a été une grande réussite. Là, on a fini, mais on est resté en fait en mode Covid parce que dans la famille, il y a des professionnels de santé qui ont dit il y a la cinquième vague qui arrive, il ne faut pas que les gens de l'Allemagne, les gens de Paris, les gens du Portugal, les gens du Congo, que les gens ne se déplacent pas, faites ça en famille, restrictions sanitaires obligent pour que tout se passe bien. Bon, tous les enfants étaient là, les filles Bikandou, le petit-fils Jarel, lui-même le grand frère Orlan, donc bon, et la famille, bien entendu, cette question. Bon. Voilà. On y va, il y a les MT qui sont fatigués. Seigneur, je peux Je
En tout cas, c'est sa journée, hein. Celui du canon. Félicitations, tonton. Merci, mais tu es où, toi? Oui, je sais, mais c'est nous qui aimons trop. On devait partir ensemble, et tu connais l'autre. Mais ta copine qui devait venir en voiture. On est là. Yeah.
sous ma coiffe, perlette à l'eau qui brille. Durant les doigts, gaz, les mains très très fort. Et l'eau bien mis en prenant. Circulation à ma cabelle, fin de tête, repoussé vers cette impossible.
S'il te plaît, pendant que tu es là. Alors, bonjour à tous. Je suis très contente que ce jour, par la grâce de Dieu, est enfin arrivé. Félicitations, Tonton Amédée et Maman Rose. Je vous souhaite plein de bonheur pour la suite. Une longue vie avec beaucoup d'enfants pour que la famille puisse s'agrandir. Et beaucoup de bonheur. Et merci à Dieu d'avoir mis ce jour en œuvre. Voilà. Et moi, c'est Laurie, la fille de Tonton Armand et Maman Tina. Et la nièce de Tonton Amédée. Voilà. Bisous. Non, on est là au mariage de notre frère Amédée et Rose. Oui, je disais qu'on est venu participer au mariage de notre frère et sœur Rose, qui est devenue aujourd'hui Madame Bikandou. Donc, ça date de longtemps, depuis le pays, ils se sont connus. Quand ils étaient encore jeunes, bon, chacun a fait son chemin. Et aujourd'hui, ils se retrouvent encore, donc, ils ont honoré aujourd'hui leur mariage, donc on est dans la joie, toute la famille est là, donc c'est vraiment la joie quoi. Je leur souhaite bonheur, prospérité, réussite dans toute leur entreprise. Que Dieu les bénisse richement. Merci beaucoup. Ah, on a été on est dans la maison, on gère. En fait, heureux de marier. Donc, le P. Mirland, pas JR. Le P. Mirland. Bon, merci, hein. Il me répond. Voilà, la Ligue des champions des caméras. Il y a beaucoup d'heures, même à minuit, JR. Bah, si c'est possible. Ma soeur, on a quelle heure? Ma soeur, on a quelle heure? Ou mon frère, on a quelle heure? Bon, d'accord, Mourita, la calpère. Il répond toujours positivement. Et vraiment, c'est rare d'en trouver. Hein. Si c'est pas toi qui couvre, c'est madame. Waouh! Quelle bénédiction. Mais viens, ma chérie. Elle a suivi les canaux, hein. Un petit mot pour. Un petit mot à la caméra. Vas-y, Priscilla, allez, vas-y. Je vais la motiver. Arrache-lui un petit mot là. C'est Priscilla qui canoue. Allez. Voilà, la petite blanche de la famille. Oh, ça fait plaisir. La moudelée. Toutes mes félicitations, je suis très heureuse pour vous, vous le méritez. Et puis, bah, évidemment, je vous souhaite tout le bonheur pour la suite, comme c'était déjà le cas avant. Hein. Voilà, c'est bien. C'est Priscilla qui canoue. Bonne doute, amenez. À la combat. Yo se listo a mostrar un puna grueta sala na chantier. A mi mami cabe más peso, a la azúcar me mate a caídas. No a coronados ni la cabatica y ni la copa de la luna. Un petit mot pour les mariés. Félicitations. La paix, l'amour, la santé, la joie. Pour les mariés. Un petit mot, Marie. Pardon ? Et puis nous, Marie, moi, un mot. Oui, mais félicitations. Et je vous ai dit, quel bonheur. Gardez-la.
leur souhaite. Ah ouais, bah oui, bon. J'ai ramassé le bouquet. Donc papa, je t'annonce, l'année prochaine c'est moi. Et voilà, félicitations encore papa. Beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, longévité, richesse. Pleine d'études. Ouais, très très longue vie, belle maison, belle voiture. Non, je rigole. Beaucoup de bonheur en vrai, beaucoup de bonheur. D'amour et de paix. Voilà. C'est Cynthia Vicanoa, la trader de la famille. Votre doutaka. Et quand même, c'est à la Société Générale. Votre doutaka. À la tour. Comment ça s'appelle hein? À la Défense. Excusez-moi pour ce lapsus. Quel conseil? Oh, comment ça? Les mariés, vraiment, ils se sont mariés. On est très contents. C'est un beau mariage, ça s'est bien roulé. Il n'y a pas de soucis. Un conseil aux mariés? Oh, il faut qu'ils se comportent bien. On vit qu'une seule vie. C'est ce que je peux leur dire. Bonne et heureuse mariage. Toutes mes félicitations. Les Bordelaises. Voilà. Point. Yeah.
Un petit mot, Carmen. Un petit mot pour les mariés. Ça va, Charlie? Charlie, il est trop grand. Plein de bonheur. Et restez pour la paix que le Seigneur nous.